Bonjour et bienvenue à Rat National du Pain pour cette émission consacrée aux Jeux équestres mondiaux. Nous sommes à moins de 60 jours du plus grand événement équestre au monde. Du 23 août au 7 septembre, plus de 1000 cavaliers, plus de 1000 chevaux venus de 76 pays vont s'affronter dans 8 disciplines, principalement à Caen, mais également dans la baie du Mont-Saint-Michel autour de Startilly. Et ici, au Rat National du Pain, le Versailles du cheval, le plus ancien, le plus prestigieux, le plus grand Rat National que vous dirigez, Sophie Lemaire. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour Émilie. Alors, vous incarnez un peu la révolution du Rat National du Pain. Vous êtes arrivée en février 2013 et vous êtes la première femme et la deuxième dirigeante à ne pas être officier depuis la création du site en 1715. Bah oui, tout à fait. Ouais, c'est un honneur de diriger cet établissement. En tout cas, une femme directrice de Rat National, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça au pain en Normandie, oui. Alors, on est dans un endroit exceptionnel. Les monuments sont classés monuments historiques. Et pourtant, ce n'est pas un musée. Il y a beaucoup de vie ici au pain. Oui, beaucoup d'activités autour de la formation, de l'événementiel sportif et du tourisme. Combien d'agents travaillent ici au pain? On est une petite centaine, mais attachés au site du Rat National du Pain, environ 70. Alors ici, vous disiez qu'il y a des formations, mais dans tous les domaines. Oui, de la reproduction équine à l'attelage, l'équitation, la maréchalerie et la sellerie. Alors, vous êtes également coordinatrice pour ces Jeux équestres, des épreuves qui vont se dérouler ici, au Pain. C'est aussi une activité qui vous prend beaucoup de temps, depuis plusieurs mois. Vous pouvez nous en parler un peu. Il s'agit de deux des trois épreuves du concours complet. Moi, je suis coordinatrice sport pour le site du Rat National du Pain. Ça consiste en fait à faire le lien entre le directeur de discipline Jean-Marc Varillon et le comité d'organisation des Jeux. Puisque Jean-Marc Varillon n'est pas toujours sur place et donc depuis le mois de février, j'essaie de faire le lien entre le comité d'organisation et le directeur de discipline. Tout en continuant à gérer le Hara. Oui, tout à fait, parce que ma vie ne s'arrête pas après les Jeux équestres mondiaux, j'espère, au Pain. Et donc l'idée, c'est que je continue à gérer le Hara en même temps que d'être coordinatrice. Merci Sophie Lemaire. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, parmi les disciplines qui sont aux Jeux équestres mondiaux, il y en a une connue, mais en fait la plupart ne sont pas connues du grand public, c'est Florent Turpin qui nous les présentera tout à l'heure. À mes côtés également Pierre-Marie Puot qui nous servira de guide au sein du Hara. Et je retrouve tout de suite celui pour qui la pression est énorme, c'est Fabien Grosbon. Bonjour Fabien Grosbon. Bonjour. Directeur du comité d'organisation des Jeux équestres mondiaux. Les Jeux équestres mondiaux ont démarré en 1990 à Stockholm. Il y a eu, après Stockholm, La Haye, Rome, Jerez en Espagne, Aix-la-Chapelle, Lexington au Kentucky. Et puis voilà, Caen, France, Basse-Normandie, c'est pas rien de passer après tout ça. Non, mais c'est un petit peu la logique quand même, parce que c'est le retour dans le berceau de l'équitation, du sel français, ici en Normandie, plus qu'un sport, une culture. Alors vous venez de célébrer un anniversaire, votre quatrième année à la tête du comité d'organisation. Les enjeux sont énormes, aussi bien sportifs que financiers. Ils sont sportifs, ils sont financiers, ils sont aussi les enjeux d'une région qui se mobilise pour aussi tous les enjeux, l'héritage derrière, la dynamisation de la filière. Donc effectivement, c'est un projet qui doit laisser une trace. Alors, pour qu'on s'imagine un peu, c'est entre organiser Roland-Garros et la Coupe du Monde de football au niveau de l'organisation? Oui, comparaison n'est pas toujours raison, mais en tout cas, c'est le plus grand événement sportif en France cette année. C'est trois fois plus gros que les Jeux Olympiques pour la partie de l'équitation. Donc, c'est le grand rendez-vous mondial. Ça sera en Normandie l'événement le plus international, les Jeux équestres mondiaux les plus internationaux jamais organisés. 500 000 spectateurs attendus avec effectivement toute une filière qui est derrière. On aura l'occasion d'en reparler dans l'émission. On commence à voir les transformations, notamment à Caen, avec le stade d'Ornano, transformé en stade équestre. Ça aussi, ça, vraiment, on est dans les Jeux, là, maintenant. Oui, après 4 ans de planification, aujourd'hui, on est vraiment dans l'opérationnel. On se déplace sur les sites, petit à petit. Et le stade d'Ornano, c'était le lieu des épreuves préparatoires de dressage et de saut d'obstacles. 700 camions de sable sont venus construire une enceinte équestre. Et on a vu le stade comme jamais. J'espère qu'il a plu aussi bien aux passionnés de foot qu'aux passionnés d'équitation. Il faut savoir qu'au départ, c'est la FEI, hein, la Fédération Équestre Internationale, qui vous a mandaté pour organiser ces Jeux. Au départ, il y avait quand même le projet de créer un stade équestre. Il y avait ce projet d'un stade équestre, ça coûte cher à fabriquer, ça coûte cher à entretenir. La décision des élus régionaux derrière le président de région qui porte ce projet, ce sont des choses plus raisonnables, plus pérennes aussi. Et donc s'appuyer sur des infrastructures qui existent et leur donner une nouvelle vie, un nouvel élan. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? On sait que certains cavaliers, des gens du milieu disent l'éclatement des sites, ça nous fait un peu peur.
L'éclatement des sites, c'est une chance inouïe. C'est 5 sites, mais c'est 3 dans Caen. Un projet très compact en plein centre-ville. Les gens pourront sortir de chez eux et venir aux Jeux équestres mondiaux la journée et le soir avec tout ce qu'on va montrer de la culture équestre au village des Jeux. Puis c'est le haras national du pin, vous l'avez dit, le Versailles du cheval, c'est mythique jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et le Mont-Saint-Michel, la course d'endurance avec ce panorama extraordinaire pour cette course. On ne pouvait pas rêver mieux. Je crois que tout le monde nous envie nos sites. Il fallait les exploiter au maximum. Alors vous êtes 150 hein, comité d'organisation, ça n'arrête pas, c'est une fourmilière et il y a près de 1000 journalistes accrédités. 925 demandes exactement, la FEI dira qui des journalistes pourront venir, mais plusieurs centaines, plus que jamais sur aucun jeu équestre mondiaux effectivement. En tout cas c'est une fourmilière au comité d'organisation en ce moment hein. Et les nuits sont courtes. Merci Fabien Grosbon et bon courage. Merci. Alors c'est une chance pour la France d'organiser ces Jeux équestres et ils ne pouvaient se dérouler ailleurs qu'ici, en Basse-Normandie, première région du cheval qui, dans la moitié du XXe siècle, après avoir produit des chevaux de travail et des chevaux pour la guerre, s'est mise à produire des chevaux de sport. Et parmi les pionniers, ceux qui ont su prendre ce tournant, il y a un personnage incontournable. Il s'agit d'André Le Goupil, éleveur à Martinvaz dans la Manche et l'un des premiers cavaliers normands à s'être illustré au niveau international. Pierre-Marie Piot et Franck Baudreau l'ont rencontré. En avant, calme et droit. Cette vieille règle d'équitation lui irait plutôt bien. Bon, alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là, toi? André Le Goupil est du genre travailleur, persévérant, et fidèle à ses chevaux, comme le sont les paysans dans le Cotentin. J'aime beaucoup la jument que monte Guillaume. Elle en est à l'apprentissage. Il en a toujours élevé, pour le travail d'abord. Puis au fil des ans, au gré des croisements, ses chevaux sont devenus plus fins, plus véloces. Ici, c'est l'origine du cheval, ce qu'on appelle le sel français maintenant, qui était le demi-sang normand de l'époque, et qu'on a fait évoluer. Je suis de la génération, enfin je peux me targuer d'être de la génération de ceux qui y ont fait ça, qui ont débuté, généré ça. Au sortir de la guerre, les sociétés hippiques rurales commencent à organiser les premières compétitions. Pour André Le Goupil, c'est une révélation. C'était les juments qui faisaient le travail de la ferme, avec lequel le dimanche on allait ou faire la course de pays, ou après les petits concours hippiques. Ça faisait partie de la vie, hein. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas autre chose, il n'y avait pas de bagnole, on se distrayait comme ça. Et puis les gens, comme on dit dans le pays en patois, l'esprit cheval. L'esprit du cheval, quoi. Sa grand-mère, même vieille, arrivant dans la maison, j'arrivais dans le champ, elle venait et puis elle se frottait contre moi. André Le Goupil fut le premier cavalier normand de haut niveau. Elle s'appelle Serpentine. Il est sacré champion de France de concours complet en 1962. Le jeune cavalier de Martinvaz participe même aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Oh oui, c'est beurlé, ça. Voir le public qu'il a. Grand-père. Là, c'est toi aussi? Oui. Qu'est-ce qu'est sautée, cette bête? C'était formidable. Et en 30 années de carrière, il a toujours mis un point d'honneur à ne monter que ses propres chevaux. Le cheval amène la compétition, tout le temps. On a toujours le meilleur cheval, le plus vite, le plus beau, le plus machin et tout. Il y a toujours un plus, il y a toujours un comparatif de supériorité. Il y a, pour beaucoup aussi, la valorisation de nos chevaux. S'ils gagnent et s'ils font un truc, on les vendra mieux, parce qu'on était éleveur. Et c'est ce modèle économique qui a fait de la Normandie un vivier, une terre de champions. À 83 ans, André Le Goupil s'abstient désormais de monter, mais il continue d'arpenter les pistes, de suivre les petits concours d'élevage, toujours curieux des chevaux. Ça reste tout le temps, oui. Ce qu'il y a, c'est en plus le pire de leurs défauts. C'est qu'on s'y attache. Il a toujours eu une préférence pour les sujets qui ont de l'impulsion, du sang. Il aime les compagnons, francs, qui vont en avant, calmes et droits. Et je suis avec Alain Talon, conservateur des musées départementaux de la Manche et hippomaniaque. Bonjour Alain Talon. Bonjour. Hippomaniaque, ça vous va? Oui, effectivement, j'avoue cette faiblesse, alors, cette passion. Vous dites d'André Le Goupil que c'est un seigneur. Pourquoi? C'est un homme exceptionnel. Il compte, il a beaucoup compté, il compte encore pour la région, pour la filière équine. C'est le premier civil qui a ouvert cette activité qui était réservée jusque-là aux militaires
premier Français champion de France, deux fois les Jeux Olympiques. C'est un homme extraordinaire et qui a aussi, au-delà de cette carrière compétiteur exceptionnelle, qui a aussi formé plusieurs générations de cavaliers. La filière équestre en Basse-Normandie lui doit beaucoup. Oui, absolument. Alors, on parle des hommes, mais si la Basse-Normandie est l'Eldorado du cheval tricolore, c'est aussi parce que tout est réuni. La terre, le sol. Toutes les conditions sont effectivement réunies pour que les Jeux équestres aient lieu en Normandie. Nous sommes ici dans ce très beau cadre du Haras du Pin. Il faut savoir qu'avant le Haras du Pin, une génération avant, le fils de Louis XIV, le Grand Dauphin, décide d'implanter un nouvel établissement. Il a des besoins importants en termes de chevaux de carrosse et de chasse. Un très grand chasseur, comme tous les Bourbons. Et donc, il décide d'implanter dans les Marais un nouvel établissement. Parce que en Normandie, tout est réuni pour élever les chevaux. Les terres sont La météo. La terre. On sait qu'on va aussi trouver des fourrages de grande qualité, en abondance. Et puis, on a déjà des hommes qui sont passionnés par les chevaux et qui ont un rapport extrêmement passionnant et passionné et des compétences très fortes, déjà sous Louis XIV, pour faire naître et élever les chevaux. Alors, les chiffres donnent le vertige, hein, Basse-Normandie. 100 000 chevaux, 8 000 éleveurs, responsables de 10 000 naissances, 12 000 emplois dans la filière. Il y a un concentré de compétences uniques ici. Oui, ces compétences sont le résultat d'une histoire très ancienne, très longue. La Normandie a été, et la région ici en particulier, une terre pour élever des chevaux de carrosse, puis des chevaux de guerre. Et toutes ces familles, ces générations de naisseurs, d'éleveurs et de cavaliers ou de meneurs ont contribué et concourent aujourd'hui à travers les Jeux équestres, effectivement, à reconnaître cette compétence exceptionnelle. Alors quand on n'est pas dans le domaine d'équitation, du cheval, on n'imagine pas à quel point à l'autre bout de la terre, la Basse-Normandie fait rêver les gens justement qui sont dans ce domaine. Oui, ça paraît effectivement assez exceptionnel, mais la Normandie, qui est très connue à travers toute la planète, il y a des noms qui résonnent, des affixes. Je pense par exemple à l'affixe d'Aile, qui est connue en Asie, en Amérique du Sud, puisque comme M. Le Goupil, je pense regretter Alexis Pignolet, qui nous a quittés l'an dernier, et qui est à l'origine d'une génétique extraordinaire, qui était lui-même très grand cavalier, et qui a fait naître 8 chevaux olympiques, ce qui est exceptionnel. Alors, on parlait d'une concentration de talents ici, dans cette région. Concentration de talents, ici, au Haras du Pin. Pierre-Marie Puot, vous êtes dans l'une des nombreuses écuries du Haras. Émilie, nous trouvons dans l'écurie numéro 3 de ce beau Haras du Pin, avec un sol en briques, des portes majestueuses en bois, des poignées de cuivre qui sont astiquées tous les matins. C'est un peu la vie de château ici pour les chevaux au Haras du Pin. Et l'endroit commence à s'animer en général tôt le matin. Il faut nourrir les chevaux, nettoyer les boxes. Et puis, on termine généralement par la livraison du foin très attendu par les étalons. On va s'approcher de Cerise. Comment ça se passe le matin ici? Très bien. Écoutez, on arrive, on soigne les chevaux. Donc, par soigner, on leur donne à manger. On cure les boxes, c'est la première chose qu'on fait. Et donc on vérifie s'ils ont passé une bonne nuit, si tout va bien. Ce sont un petit peu les retrouvailles. Oui, c'est les retrouvailles de tous les matins. Donc, c'est très très ritualisé. Oh bah oui, assez, oui quand même. Eux, ils ont besoin de ce rythme assez régulier. Donc du coup, on... Pardon. Donc ça, c'est le foin. Hein. Voilà, alors on donne du foin, on a fait le box, on a curé, enlevé tous les crottins, l'urine de la nuit, de la journée. Et puis on remet ensuite de la paille propre pour lui faire une belle litière. Et ensuite, on donne le foin, sachant qu'ils ont déjà mangé le granulé tout à l'heure. Vous avez le temps de leur dire un petit mot? Oh oui, on a toujours le temps de leur faire une petite caresse et de leur dire un petit mot, il n'y a pas de souci. Comment s'appelle-t-il? Alors ça, c'est Lutin. Lutin du Hecquet, donc c'est un sel français qui a fait du saut d'obstacle, qui est très sympa et qui a un petit peu de sang. Et comment se passe la suite de la journée ensuite? Eh bien ensuite, on va chacun sortir les chevaux. Et puis on va les sortir donc ou en extérieur ou travailler et s'occuper d'eux. Et puis sortir tout le monde, il y a quand même pas mal de chevaux dans l'écurie. C'est effectivement un peu la vie de château ici pour les chevaux. Un petit peu, oui. C'est un petit peu la vie de château pour les chevaux. Non, on prend soin d'eux comme il faut. Voilà, donc un joli sel français ici. Il y a aussi des percherons, des chevaux arabes et un petit chat moustique qui veille sur cette écurie tous les jours. Et ces jeux sont une belle vitrine pour les éleveurs normands Alain Talon qui espèrent bien récupérer des clients, parce que la concurrence est rude dans ce domaine.
Effectivement, c'est la concurrence. Comme dans d'autres activités économiques, on a une mondialisation de la filière. C'est une image extraordinaire qui va, je l'espère, permettre à cette région où naissent beaucoup de poulains qui sont élevés et formés aux sports équestres dans la région, c'est l'une des particularités de la Basse-Normandie, effectivement, que des contacts soient noués pour les différentes filières, mais aussi pour les différentes races de chevaux et, je l'espère, pour le cheval de sport. C'est un moyen pour les éleveurs bas-normands, entre autres, et principalement de voir arriver des cavaliers, des marchands ou des gens qui ont besoin de chevaux pour différents niveaux. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Absolument, c'est une réalité économique, il ne faut jamais effectivement s'endormir et tenter effectivement de rester le plus au top niveau en termes de formation de chevaux pour tous les besoins du cheval de sport. Merci Alain Talon. On va aller un peu plus loin dans l'aspect sportif de ces Jeux équestres avec Florent Turpin. Florent, les Jeux équestres mondiaux, ce sont 8 disciplines qui ne sont pas très connues. Enfin si, il y en a une quand même. Il y en a une que tout le monde connaît, surtout nous ici en Basse-Normandie. Cette discipline, c'est un sport olympique, c'est le CSO. Le concours de saut d'obstacle, vous le savez, c'est un slalom spécial, hyper rapide, hyper spectaculaire, contre le chronomètre. Le couple cheval-cavalier doit franchir une dizaine d'obstacles le plus rapidement possible sur environ 600 mètres. C'est un peu la discipline reine de ces Jeux équestres mondiaux. La compétition se déroulera devant environ 20 000 personnes au stade Michel Dornano. Le CSO, tout le monde connaît, mais on connaît moins les 7 autres disciplines au programme de ces Jeux équestres. Je vous propose de les découvrir à travers cette rapide présentation signée Bastien Audolan. Si vous n'y connaissez rien à l'équitation, vous risquez d'être surpris. Les Jeux équestres mondiaux débarquent en Normandie avec des disciplines inattendues. Transformé pour l'événement, le Zénith de Caen accueillera cet été un drôle de spectacle, les épreuves de voltige. Une discipline mêlant gymnastique et danse, en duo ou en individuel, et le tout en musique et sur un cheval au galop. Rien que ça. À quelques pas de là, les 3000 spectateurs du Parc des Expositions de Caen vont découvrir une autre discipline, quasi inconnue du grand public, le reining. Ambiance western, le reining est un enchaînement de figures pour mettre en valeur le dressage, la maniabilité et l'attitude du cheval. Alors là, chapeau de cow-boy. Toujours à Caen, mais au Stade d'Ornano cette fois, les footballeurs laisseront la place aux cavaliers pour l'épreuve de dressage. Une discipline à la base de toute l'équitation, à cheval entre le sport et l'art équestre. Le dressage nécessite une entente parfaite entre l'homme et sa monture, tout comme le paradressage destiné aux cavaliers handicapés. C'est autour de l'hippodrome de Caen que se disputeront les compétitions d'attelage. Aux Jeux équestres, elles se déroulent sur 4 jours avec 4 chevaux. 3 épreuves, le marathon, 18 km à parcourir le plus vite possible, le dressage et son petit côté bon chic bon genre, et l'épreuve de maniabilité qui peut s'avérer très, très spectaculaire. Aïe aïe aïe. Direction ensuite, la baie du Mont-Saint-Michel pour l'épreuve d'endurance. Un véritable marathon qui se dispute sur une seule journée. Un contre-la-montre de 160 km avec des contrôles vétérinaires tout au long du parcours, durant lequel le cavalier doit savoir gérer les efforts de son cheval. Enfin, c'est dans l'Orne, au Haras du Pin, que se tiendra le fameux concours complet. Une discipline comparée au triathlon avec 3 épreuves sur 3 jours. Le dressage, le saut d'obstacles, et surtout le cross, peut-être l'épreuve la plus spectaculaire des Jeux équestres mondiaux. Le classement final est déterminé par le cumul des pénalités au cours de ces 3 disciplines.
Alors Florent, il y a aussi deux disciplines qui seront en démonstration. Comme aux Jeux Olympiques, deux disciplines en démonstration. Ce sera d'ailleurs deux sports collectifs. D'abord, le horseball, un sport qui oppose deux équipes de quatre cavaliers. L'objectif est de marquer des buts dans ces grands paniers situés à 3,50 m au-dessus du sol. En horseball, vous le voyez, les contacts sont très fréquents. Les chevaux sont souvent lancés au galop. C'est vraiment un sport hyper spectaculaire. L'autre discipline qui sera en démonstration lors de ces JEM, c'est le polo, le très chic polo. Le polo se dispute sur un terrain de 275 mètres de long. Il oppose lui aussi deux équipes de quatre joueurs qui s'affrontent donc sur ce grand terrain. Les cavaliers frappent une petite balle en bois à l'aide d'un maillet jusqu'à un but adverse situé entre les poteaux au bout du terrain. Le polo, Émilie, ce sera la touche très très chic de ces JEM. Merci Florent, on vous retrouve tout à l'heure avec une petite surprise que vous nous réservez. Je vais rejoindre Martin Denisot, conseiller technique national à la Fédération Française d'Équitation et chargé de mission pour les Jeux équestres mondiaux et cavalier de complet, on peut le dire aussi. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors dites-moi, l'équitation, troisième sport pratiqué en France, 700 000 licenciés grâce à ces Jeux. Vous attendez un engouement énorme pour l'équitation à la rentrée ? Bonjour. Alors oui, bien sûr, on attend un engouement, on attend beaucoup de visibilité pour les sports équestres en France, bien sûr en Normandie, mais partout en France, et effectivement encore plus de cavaliers à la rentrée prochaine dans nos clubs partout en France. C'est un sport pratiqué beaucoup par les filles, par les jeunes filles. Vous avez gagné 400 000 licenciés en l'espace de 10 ans. Alors effectivement, sur les 10-20 dernières années, il y a eu énormément de progression, notamment par l'équitation à poney. Et on a 83% de filles qui montent à la Fédération Française d'Équitation, donc c'est des chiffres assez impressionnants. Pourtant, il y a plus de garçons à haut niveau, il faudra que ça change. En tout cas, vous attendez quoi de ces Jeux ? Un changement d'image, parce qu'il faut bien le reconnaître, l'équitation par ses règles, qui sont parfois complexes, a du mal quand même à être connue du grand public. Ouais, bien sûr, on attend de médiatiser un petit peu plus les sports équestres qui ne le sont actuellement, de starifier encore un peu plus nos grands champions, les mettre en avant, les faire connaître par le grand public et profiter de ces Jeux mondiaux en France. C'est une occasion unique de faire reconnaître les sports équestres partout en France et en Normandie, bien sûr. Est-ce que les stars aident quand même le public à s'identifier ? On le voit dans le football. Les stars aident le public, c'est sûr. Martin Denisot, il y a quand même un manque d'identification, alors que finalement la France est le pays au monde qui organise le plus grand nombre de concours équestres. Oui, on est la première nation organisatrice de compétitions internationales au monde. On a des cavaliers dans toutes les disciplines performants et présents au plus haut niveau. Et on a aujourd'hui les Jeux équestres mondiaux pour la première fois en France. On va parler du nombre de médailles que vous attendez. Regardons tout de suite les chances des Français. Révisez votre anglais. Le God Save the Queen devrait résonner cet été en Normandie. Le Royaume-Uni, mais aussi l'Allemagne et les États-Unis sont les grands favoris de ces Jeux équestres 2014. Au tableau des médailles, les Français, eux, devront faire mieux qu'à Lexington en 2010, où ils n'avaient remporté que trois petites breloques en argent. Et c'est dans la discipline reine, le concours de saut d'obstacles, que les tricolores pourraient briller grâce aux bas normands, notamment la calvadosienne Pénélope Leprévost, la seule femme de l'équipe de France de CSO, qui rêve d'un podium à domicile sur son cheval. Dame Blanche. Dans notre sport, l'athlète, c'est plutôt le cheval. Et puis il y a quelque chose de différent. C'est pas comme une raquette, c'est la même tous les jours. Le cheval a ses humeurs, a son caractère. Donc l'important, c'est d'être tous les deux à 100% le jour J. Deux autres bas normands, Patrice Delavaux et Kevin Stout, font eux aussi partie des meilleurs cavaliers du monde en saut d'obstacles. Ils viseront également une médaille sur la piste du stade Michel Dornano. Mais la plus belle des chances françaises viendra de cet homme-là, Nicolas Andréani, champion du monde 2012 et vainqueur de la Coupe du monde 2013 de voltige. C'est la grande star de la discipline. Enfin, en concours complet, l'angevin Nicolas Touzin brigue également une place sur le podium. Et Nicolas Andréani a également gagné la Coupe du Monde 2014. C'est l'une des grandes chances de médaille en voltige, Nicolas Andréani. Alors en voltige, on a plusieurs chances de médaille. On a Nicolas Andréani qui est champion du monde en titre et on a Jacques Ferrari qui est champion d'Europe en titre en 2013.
Alors, combien de médailles pour les Français à la FFE ? Alors, on table au minimum sur 5 médailles. On est parti sur ce défi-là et on en espère plus, bien sûr. Il faut bien comprendre que la FFE n'est pas organisatrice de ces Jeux. Vous préparez les équipes à ramener des médailles. Tout à fait. Alors, la Fédération France d'éducation est membre fondatrice du groupement d'intérêt public qui organise les Jeux et Casse mondiaux. Mais la mission de la Fédération est avant tout de préparer les équipes de France, d'amener nos sportifs dans les meilleures conditions possibles pour être performants et ramener des médailles pour faire que la fête soit la plus belle possible. Quelles sont vos craintes ? Vous parlez de l'éclatement du site notamment. Alors l'éclatement des sites, c'est une petite crainte qu'on avait, notamment sur la logistique, puisque c'est vrai que ça dispatche nos équipes sur différents sites. Donc il va falloir qu'on arrive à gérer cet espace entre les différents sites. On a recruté un staff compétent pour accompagner chaque discipline sur les différents sites. Et sur chaque site sportif, on sait que les conditions vont être parfaites pour faire du sport de haut niveau. Et des jeux propres, hein, on sait les problèmes qu'il y a eu ces dernières années dans l'endurance, avec les problèmes de dopage. Ça, on veille à ça. On compte sur le comité d'organisation pour éveiller. Et bien sûr, on sera tous vigilants pour que ça se passe le mieux possible. Merci Martin Denisot. Je vais aller rejoindre Laurent Beauvais. Mais avant, regardez qui arrive, une Amazone. C'est très joli, une Amazone. Elle s'appelle Dolores Bigot. Et je vais faire une chose qu'on fait rarement. Je vais soulever votre jupe, Dolores, pour vous montrer à quoi ressemble une selle d'Amazone. Voilà. Vous avez les deux jambes du même côté. Oui, tout à fait. Et alors, vous arrivez à tout faire avec une selle comme celle-ci ? Oui, tout à fait. On dresse, on saute, on fait du cross, il n'y a pas de souci. Tout est réalisable. Comment vous faites pour sauter ? Dans l'idée, c'est de s'accrocher à cette fourche-là, qui est mobile. On se soulève, on essaye de dégager au maximum le dos du cheval et de l'accompagner, comme pour le reste à califourchon dans la discipline. Voilà. On peut tout faire en Amazon. Merci Dolores. En tout cas, c'est très élégant. Merci à vous. Je vais rejoindre Laurent Beauvais, le président du conseil régional de Basse-Normandie, qui est également président du GIP, le groupement d'intérêt public, fondé il y a 4 ans et qui a permis de lancer cet élan des Jeux, c'est-à-dire de mettre ensemble des partenaires publics et privés pour que la fête soit belle. Oui, il fallait d'abord rassembler. Et il y a les collectivités, la région, les départements, la ville, l'agglomération de Caen, la Haute-Normandie, et puis les professionnels et l'État, tous autour d'une table. Nous travaillons depuis 4 ans et je pense que c'est déjà un élément extrêmement important pour garantir la réussite. Alors l'idée a germé en 2002, hein, de ces Jeux équestres mondiaux en Basse-Normandie, aux Jeux de Reres en Espagne. Des élus, des éleveurs y sont allés. La France est revenue avec une moisson de médailles et au retour ils se sont dit mais pourquoi on n'aurait pas ces Jeux chez nous en Basse-Normandie ? Il a fallu 12 ans. Et nous y sommes. Oui, c'est toujours long, les tentatives. On a d'abord eu un échec, hein, puisque la première demande n'a pas été satisfaite. Et on a donc... c'était simple, la région du cheval, première région d'élevage, une pratique du cheval très très importante, il fallait continuer. Et derrière, on a construit un vrai projet qui peut-être a fait la différence et qui aujourd'hui, je pense, porte toutes les garanties du succès aussi. Alors pour 2014, vous étiez les seuls en lice, hein. Cela dit, c'était pas gagné pour autant. C'était pas gagné, on pouvait très bien, la Fédération internationale aurait pu très bien attribuer à une ville, on avait pensé que c'est la Chapelle à l'époque, qui est un lieu prêt pour recevoir toute compétition. Donc il a fallu qu'on démontre le modèle normand, assez original, très innovant. La preuve, on est ici au Haras du Pin, la baie du Mont-Saint-Michel, quand au départ, ils auraient souhaité que tout se passe dans un seul lieu. On a poussé un vrai projet territorial pour valoriser cette Normandie, et notamment ici le Haras du Pin, évidemment. Faire travailler tout le monde ensemble, c'est quand même pas facile. Hein. En Normandie, on a toujours un peu mal à se vendre en Normandie. Ça va mieux, hein. ça va mieux. On a maintenant une bonne pratique qui consiste à réussir en général quand on se met autour d'une table tous ensemble et qu'on parle d'une seule voix. Alors, combien coûtent ces Jeux ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec le reportage d'Erwan Demignac. Ils se sont délicieusement coulés dans le moule des Jeux équestres mondiaux. Les chocolats des chevaliers d'Argouges affichent fièrement l'effigie de l'événement. Du ballotin de chocolat au coffret ruban or, 6 gammes ont été spécialement conçues pour l'occasion. Il fallait que quand même le public reconnaisse nos produits, mais avec une image des Jeux. Donc là, je pense que le pari est réussi parce qu'on a nos produits, nos meilleures ventes, mais dans un packaging aux couleurs des Jeux. Les produits ont nécessité l'achat d'une licence, mais l'investissement devrait être facilement rentabilisé. Objectif des ventes, 50 à 100 000 euros, soit une toute petite partie des 8 millions de chiffres d'affaires annuels. Car l'objectif de l'entreprise est surtout de profiter de l'événement pour s'offrir de la visibilité.
On espère toucher le public local, régional, national et même international, des consommateurs, des clients qui vont nous voir pendant les Jeux et qui, pour Noël, on espère, se souviendront de nous, de notre image. Pour l'entreprise, les Jeux équestres mondiaux seront un peu comme une carte de visite à frais réduits. Peu de choses finalement à l'échelle de l'investissement des partenaires officiels, répartis en 4 rangs selon la somme mise sur la table. Les soutiens officiels, au moins 120 000 euros, les fournisseurs officiels, 400 000 euros, et les partenaires officiels, entre 1 et 2 millions d'euros. Quant à la multinationale Alltech, elle a cassé sa tirelire avec un chèque de 10 millions pour obtenir le droit de donner son nom à l'événement. Dans notre industrie, il n'y a pas beaucoup de grand sponsoring comme ça. Alors, comme on ne fait pas d'autres sponsoring à l'échelle mondiale, on voulait vraiment s'associer à fond et très directement avec l'événement. Pour l'entreprise spécialisée dans la nutrition animale, les Jeux sont une vitrine inégalable pour parler au monde agricole et notamment aux éleveurs laitiers. On espère avoir minimum 500 000 visiteurs normands, français et du monde entier, puisque je crois que 50% des tickets qui ont été vendus sont en fait des tickets vendus à l'étranger, hors France. Donc, de communiquer auprès des gens, des visiteurs, des familles, des enfants, quelle sera l'agriculture et les produits de consommation qu'ils auront demain, et de communiquer de manière très positive. Dans le budget total, Alltech finance en fait autant que l'État français, car ce sont bien les institutions publiques, à commencer par la région Basse-Normandie, qui restent les principaux financeurs des Jeux. 38 millions d'euros au total, contre 8 millions pour la billetterie, et 20 millions pour l'ensemble des partenaires privés. Le secteur public nous a aidés au départ à pouvoir construire la candidature et le projet pour ensuite pouvoir convaincre des marques de nous rejoindre. Et ça, ça a été le pilier le plus fort pour pouvoir convaincre les marques partenaires. Et c'est l'arrivée de nouveaux partenaires privés qui a permis de faire grimper le budget de 60 à plus de 75 millions d'euros. Et maintenant, on est autour de 78 millions d'euros de budget. Laurent Beauvais, on dit les Jeux, ce sont 15 mois de préparation, 15 jours de compétition, 15 ans de retombées. C'est une jolie phrase, mais est-ce qu'on peut vraiment mesurer ces retombées ? C'est une formule pour faire comprendre qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour bien les préparer, bien les réaliser et surtout derrière, bien proposer une mobilisation qui se poursuive. Car ici, par exemple, au Haras du Pin, nous allons créer un établissement public national avec le département de l'Orne, la région, pour redynamiser le Haras du Pin. Nous avons déjà commencé à Saint-Lô, autour du centre de promotion de l'élevage. Et dans le Calvados, le dispositif Hippolia, en matière de recherche et d'innovation, va être relancé lui aussi. Donc, c'est pour la filière équine, c'est pour la pratique du cheval. On est une région qui est en tête de ce point de vue-là. Et derrière, c'est sur la filière, c'est-à-dire tout le processus économique, plus de 12 000 emplois aujourd'hui, dont il faut tirer parti et faire en sorte qu'après les Jeux, il y ait un élan des Jeux, qui se poursuivent. Et les collectivités vont continuer à travailler après, bien entendu. Ça ne s'arrêtera pas le soir de la compétition. Le lendemain de la compétition, ça continue. Et est-ce que vous craignez que ces Jeux soient déficitaires ? Ça a été le cas quasiment de tous les Jeux équestres mondiaux, non, à l'exception de ceux d'Aix-la-Chapelle. Ils ne seront pas déficitaires. Le budget est équilibré. Les participations publiques sont stabilisées depuis le début. Mmh. Nous avons réussi à créer un modèle particulier, un modèle normand, qui fait qu'avec des fonds privés, on a réussi à, je pense, proposer un beau spectacle. Et je crois que nous y réussirons. Il y a encore des investisseurs privés récemment ont encore mis de l'argent. Vous voulez aussi que ce soit une fête populaire. Oui, c'est très important. Il faut qu'on réussisse à mobiliser tout le territoire. Depuis les 15 mois passés, justement, ça a été le sens de notre action. Et il faut que les Bas-Normands, les Normands de façon générale, mais il y a un public très nombreux qui va venir de bien au-delà de la Normandie, puissent être là dans la fête, au-delà de la compétition et la pratique du cheval. On espère qu'après, tous les clubs hippiques qu'on a dans cette région pourront avoir de nouveaux adhérents. C'est aussi très important. Merci Laurent Beauvais. Alors ces Jeux ne pourraient exister sans l'implication des bénévoles. Ils sont 3000, ils ont été sélectionnés, ils savent maintenant ce qu'ils vont faire du 23 août au 7 septembre. Sami Daniel et Stéphanie Le Maire en ont rencontré 3. Hello. Hello. So the World Equestrian Games are celebrated every 4 years since 1990. Aujourd'hui, les Jeux équestres servent de support de cours pour les troisièmes Anglais européens du collège de Wisreham.
Mais ce que les élèves de Stéphane Vaudevire ne savent pas, c'est que leur professeur sera aussi bénévole au JEM. Je suis allé à Londres aux Jeux Olympiques en 2012 et j'ai vraiment compris, ou en tous les cas, j'ai apprécié la dimension humaine qu'apportaient les bénévoles sur les Jeux Olympiques de Londres. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est bénévole sur les Jeux équestres. A priori, je suis référent bénévole sur le village des Jeux, c'est-à-dire que ma mission va consister à aider le comité d'organisation à coordonner les bénévoles qui interviendront sur le village des Jeux. C'est de l'ordre de 700 personnes par jour sur le village des Jeux qui interviendront. J'ai bossé beaucoup dans les centres équestres et pour moi, la vie dans un centre équestre n'est pas forcément ce qui est fait pour moi. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voyager, donc la mer, c'est la meilleure possibilité de trouver mon bonheur. Le recrutement s'est passé relativement bien parce que j'avais déjà fait, hors bénévole, j'avais fait la mascotte au Général Open de France 2013. J'avais ramené quelques photos, ça m'a permis, je pense, d'avoir un petit tremplin pour devenir future mascotte. Pour moi, l'intérêt de faire une mascotte, c'est qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas forcément faire sans le costume. D'être déguisé ? Ouais, d'être déguisé. Donc on peut aller titiller les gens, aller les faire rigoler plus facilement que sans le costume. J'étais nommée comme référent d'accueil. Ok. Et si je comprends bien, je vais être comme une hôtesse pour le public. Donc quand ils arrivent, s'ils ont des questions à me poser sur le déroulement des jeux, les épreuves, donc je dois expliquer comment ça se passe. Il se trouve le restaurant, le parking, des choses comme ça. En anglais ou en français ? Les deux. J'ai retrouvé ma passion. J'ai vu que ma passion pour les chevaux était toujours là et ça m'a donné le plus final pour venir ici, en fait. Parce que j'avais pas trop de courage avant et j'ai dit non, allez, c'est parti, j'y vais. Donc et voilà, et ces 6 mois après, je regrette pas parce que c'est un plaisir. En tout cas, je peux vous dire que France Télévisions se mobilise pour vous faire vivre ces Jeux équestres mondiaux. France 3, Basse-Normandie, bien sûr, mais tout le service des sports de France Télévisions. Bonjour Nelson Montfort. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors, vous allez nous dire ce que vous nous réservez cet été. Déjà, je suis très heureux d'être ici, parce que comme vous le savez, je suis également ambassadeur de ces Jeux équestres. Et ça fait maintenant plusieurs mois que je suis un petit peu tout ce qui se passe en amont. Et puis c'est vrai que donc du 23 août au 7 septembre, nous serons très présents et sûrement nous aurons également l'occasion de travailler ensemble. Que ce soit sur le régional ou sur le national, bien sûr, puisque notre plateau sera le même. Nous allons proposer donc sur France 3 National une diffusion tous les jours de 15h à 16h. Le samedi et dimanche, ce sera même un petit peu plus, de 15h à 16h20, sauf erreur. Il y aura également un Stade 2 spécial le dimanche 31 août. Et puis, il y aura, vous savez, comme on le fait sur chaque grand événement de sport, il y aura la minute vers 20h40 sur France 2, l'image du jour. Ça, c'est le cas lors des Jeux Olympiques d'hiver, par exemple de Sochi, comme ce fut le cas donc l'hiver dernier. Tous les grands événements sur lesquels nous sommes, le Tour de France, il y a cette minute à 20h40. Ça sera le cas de ces Jeux équestres mondiaux. Ça, je suis vraiment heureux de pouvoir vous l'annoncer, parce que ça veut dire que vraiment nous considérons ces Jeux équestres mondiaux comme il se doit, c'est-à-dire vraiment l'un des plus grands événements sportifs de ces 4 dernières années. Et le plus grand en France cette année. Certainement, oui. Certainement. Vous faites du cheval, Nelson ? Alors j'en ai fait. J'oserais pas dire un petit peu quand on me demande est-ce que je fais du patinage, je dis oui, je fais du patinage, mais j'aurais du mal à le qualifier d'artistique. Alors, on va dire, le cheval, c'est la même chose. J'en ai fait étant plus jeune. Mais franchement, cette expression, le cheval est le plus bel ami de l'homme et de la femme, c'est une expression que je fais complètement mienne. Je suis très, très heureux d'être ici. Je suis vraiment très heureux. Je serai là avec Christian Choupin, avec Virginie Coupry-Eiffel, avec des consultants, des invités qui en ont Jean Rochefort, Guillaume Canet, plus. Et ce sera peut-être une surprise que je vous proposerai. Vous savez qu'il y a le Festival du cinéma américain de Deauville qui va commencer début septembre. Mm-hmm. Et je ne désespère pas d'avoir justement sur notre plateau à Caen des stars américaines. Déjà, certains contacts ont été pris.
Vous serez la première à en avoir la primeur. J'espère bien, merci voilà. Nelson. En tout cas, grand plaisir. Merci d'être là. Sur France 3 Normandie aussi, on va couvrir avec des émissions tous les week-ends à 12h50 le samedi et le dimanche, les cérémonies d'ouverture, de clôture, et puis dans nos journaux à midi à 19h avec des pages, des reportages, des rencontres. Voilà, on va aller retrouver Florent Turpin pour nous dire ce que ces Jeux représentent pour les sportifs et pour ceux notamment qui ont disputé les précédents Jeux équestres mondiaux. Florent Turpin est avec Stéphane Chouzenou, meneur d'attelage, qui a disputé les Jeux équestres de Lexington, mais également ceux d'Aix-la-Chapelle. Oui, Émilie, dans ce superbe attelage ici au Haras du Pin avec Stéphane Chouzenou. Stéphane, ce sera donc cet été vos troisièmes Jeux équestres mondiaux en Normandie. On imagine que ça est particulier. Oui, c'est particulier parce que c'est à côté de la maison, c'est en France, donc on attend beaucoup de public. Et ça va être un petit peu plus fort en émotion que quand c'est sur un autre continent, où là, peu de gens se déplacent pour venir nous voir. Vous me disiez qu'en 2006, à Aix-la-Chapelle, il y avait plus de 80 000 personnes pour assister aux compétitions d'attelage. Vous attendez à vraiment avoir du monde autour de l'hippodrome de Caen ? Ah, je pense, oui. Il y a beaucoup de gens, on entend beaucoup de gens dire qu'ils vont venir. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Ils annonçaient effectivement, les organisateurs d'Aix-la-Chapelle, 80 000 personnes sur le marathon. Bon, j'espère qu'on arrivera à battre ça à Caen. Pardonnez-moi, mais l'attelage, c'est une discipline un peu BCBG, avec vous êtes en costume pour certaines disciplines. C'est aussi un sport hyper spectaculaire. Oui, c'est un sport complet, c'est-à-dire qu'il y a trois épreuves. Il y a le dressage, où ce sont des figures imposées, à des allures imposées. Ensuite, il y a l'épreuve de marathon, où là, c'est vraiment l'épreuve de vitesse, avec pas mal de prises de risque. Et ensuite, la maniabilité, où il faut passer entre des cônes, sans faire tomber les balles qui sont sur les cônes. Là, on peut parler d'épreuve d'adresse. Quelles sont vos ambitions, vous, lors de ces Jeux équestres mondiaux ? Au dernier, à Lexington, j'ai terminé 15e. Donc le but, ça serait de faire mieux à Caen. Et contrairement aux stars de la discipline, que sont les Australiens, les Néerlandais, les Allemands, vous, l'attelage, c'est pas votre métier. Vous êtes chef d'entreprise dans le BTP, et c'est un loisir, l'équitation. Oui, effectivement, c'est un loisir. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, et j'ai jamais arrêté depuis. Ça vous coûte de l'argent, du coup ? Oui, beaucoup. C'est pas évident, j'imagine, d'allier sa passion et le haut niveau. Non, surtout en termes de timing. Moi, j'ai la chance d'avoir deux sponsors qui m'aident, Destrier pour l'alimentation des chevaux et l'IFCE maintenant qui me loge mes chevaux à Compiègne. Mais à côté de ça, il faut payer tout le reste et c'est surtout très très chronophage. Donc les plannings sont très difficiles à tenir. Puisque votre temps est compté, on vous laisse aller vous entraîner et on vous retrouvera lors de la deuxième semaine de compétition justement pour l'attelage. Merci Stéphane. Merci à vous. Et on retrouvera Stéphane Chouzenou avec grand plaisir cet été sur l'hippodrome de la Prairie. Le concours complet, on vous le disait, se déroulera en partie ici au Haras du Pin. Pierre-Marie Puyot, vous êtes de l'autre côté, derrière le château. Derrière le château, sur la terrasse. Et croyez-moi, Émilie, ici, la vue est absolument magnifique. Regardez, on va se retourner. C'est effectivement ici que se disputeront deux des épreuves du concours complet, le triathlon du cheval, qui, comme nous le rappelait Florent tout à l'heure, associe le cross, l'obstacle, et le dressage. Alors, c'est intéressant à souligner, c'est une discipline qui est un peu un héritage de l'équitation militaire. Autrefois, le championnat de cheval d'armes permettait aux officiers de distinguer des chevaux endurants, adroits, rapides, dociles, bref, toutes les qualités nécessaires sur un champ de bataille. Plus rien à voir, évidemment, aujourd'hui. Le concours complet est un sport olympique, peut-être l'une des épreuves reines de l'équitation. Alors Pierre-Marie, où se dérouleront ces épreuves ? Alors le cross sera couru le samedi 30 août dans le parc sur une piste longue de 6725 mètres, une piste qui a nécessité de gros travaux, 90 km de drainage pour qu'elle soit praticable presque en toute saison. Le parcours est encore tenu secret, les obstacles ne seront installés que quelques heures avant la compétition. Et le dressage ? Alors le dressage, ce sera sur la carrière que vous apercevez derrière moi. Le dressage, Florent le disait, un enchaînement de mouvements qui doivent être parfaitement exécutés. C'est une discipline peut-être encore un peu confidentielle, mais c'est pourtant la base de l'équitation. Alors il faut le souligner, cette carrière que l'on voit ainsi que la piste demeureront ici au Haras du Pin après les Jeux équestres. Ce sera un outil supplémentaire au service de cet établissement pour accueillir, qui sait, d'autres grandes compétitions internationales.
Alors la troisième épreuve, celle du saut d'obstacle du concours complet, se déroulera à Caen le dimanche 31 août. Les chevaux vont faire de la route, ce n'est pas l'idéal, mais ils seront bichonnés, car le CIRAL, le Centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines de Goustranville, va se mettre au service des Jeux. C'est un reportage d'Hélène Jacques et de Pauline Latruite. Ce matin-là, Astuce, trotteur de 4 ans, arrive du Maine-et-Loire pour une consultation d'experts. Le rendez-vous a été pris à l'avance par son vétérinaire. Mais elle a mal quand vous mettez les cloches ou pas? Hein? Oui, elle n'aime pas. À droite, là. Plus à droite qu'à gauche. Jean-Marie Denoix est ce qu'on appelle une pointure internationale dans la recherche de troubles pathologiques chez le cheval. Et roulez, sans tranquilliser. Hein. Ça suffit. Au CIRAL, près de Dozulé, le professeur et son équipe de chercheurs développent depuis 18 ans des techniques d'examen très poussées. Ces troubles sont en effet la première cause d'arrêt de la carrière d'un cheval. Un gros disque, top. À la radio, la jument, elle a de l'arthrose ici. Mmh. On a des chevaux de CSO qui vont se mettre à faire des refus hein, sur des obstacles d'1m30, alors qu'auparavant, ils étaient capables de sauter 1m50. Dans les chevaux de dressage, on va avoir des asymétries d'allure qui fait qu'ils sont déclarés boiteux lorsqu'ils sont jugés. Et chez les chevaux de concours complet, on va avoir également des difficultés lors des épreuves de dressage, par exemple, hein, s'ils ont des troubles de la colonne vertébrale, etc. Donc on a des pathologies qui sont très spécifiques des disciplines. Ça, en quelque sorte, des pathologies professionnelles. Chaque discipline a ses particularités à ce titre-là. L'anomalie qu'on a, je vais vous montrer sur le squelette là. C'est l'anomalie lombosacrale ici. Radiographie, échographie, IRM, ce centre de recherche et d'imagerie, pilote de l'École nationale de vétérinaires d'Alfort, est à la pointe de la technique. Ici, défilent 1000 chevaux par an, dont plus d'un tiers sont des sportifs de haut niveau. Le centre est leader et il est surtout leader dans le domaine de l'échographie. C'est-à-dire qu'on a développé cette technique-là d'une façon telle que maintenant on est capable d'examiner toutes les régions du cheval et de diagnostiquer des lésions qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Oh, oh. Pour les prochains Jeux équestres mondiaux, le CIRAL fermera ses portes. Ses spécialistes vont monter bénévolement des cliniques provisoires sur les 5 sites de compétition. Il n'y a pas d'inflammation dans ce gracet. C'est vraiment une équipe d'experts et on a besoin d'avoir des experts d'imagerie médicale. Si jamais on a un cheval qui a des soucis locomoteurs, on va dire aigus, chroniques, enfin graves ou moins graves, qu'on ait tout ce qu'il faut pour faire le bon diagnostic et savoir ce qu'il faut faire avec le cheval. En 2010, aux Jeux équestres de Lexington, le professeur était déjà du voyage. Son expérience au chevet de ses athlètes sera donc précieuse. Alors ces Jeux, on va les vivre également sur Internet. Bonjour Laurent Cambre. Bonjour. On commence par le site officiel des Jeux équestres mondiaux. Oui, le site officiel normandie2014.com. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord une présentation générale de ce que sont ces Jeux équestres mondiaux, cette compétition avec un historique. On y trouve aussi, et ça c'est important et utile pour les gens qui ne connaissent pas bien les disciplines, une présentation de chacune des 8 disciplines. Le saut d'obstacle c'est un petit peu connu, mais alors le reining ou la voltige par exemple, c'est pas inutile d'avoir quelques photos ou quelques vidéos pour se rendre compte. On y trouve aussi un fil d'actualité avec des articles mis à jour régulièrement sur la préparation, la promotion de ces jeux, et puis bien sûr les infos pratiques, comment on y va, comment on se loge, quels sont les horaires, quels sont les programmes des épreuves, avec aussi la billetterie en ligne. Et là, il faut savoir qu'il reste actuellement 120 000 places à vendre sur les 8 disciplines confondues. Et un petit scoop, les organisateurs prévoient de lancer une appli pour smartphone début août pour tout suivre de ces jeux équestres en temps réel. Alors, on parle d'un autre site, le nôtre. Bah oui, tant qu'à faire. Alors, sur le nôtre, il y a déjà une page dédiée aux Jeux équestres avec tous les articles d'actualité, que ce soit la préparation ou aussi le suivi des cavaliers en vue, les tricolores qui vont participer à ces Jeux. On a aussi un documentaire qui s'appelle « La route est longue » avec une journaliste qui, depuis plusieurs mois, suit un cavalier qui est inscrit en paradressage et l'un des entraîneurs de l'équipe de France de concours complet. Et puis, il y a tout ce qu'il va y avoir au moment des Jeux. Alors, il faut savoir que France 3 Basse Normandie et France TV Sport vont s'unir pour proposer une offre très complète avec toutes les compétitions retransmises en direct, toutes les émissions spéciales en direct, puis à revoir en VOD, ensuite les résultats et puis pendant la quinzaine, eh bien, une série de reportages, photos, vidéos, portraits, interviews, à la fois des jeux, des coulisses des jeux et des retombées de ces jeux en Basse-Normandie. On va rien louper. Merci non. Laurent Cambre. On va rejoindre Sophie Lemaire. Sophie, il faut quand même préciser que vous êtes cavalière de concours complet, que vous êtes issue d'une famille de cavaliers. Votre maman était la première à monter en obstacle.
Première femme à monter en course d'obstacles en France. Oui. Voilà. Et votre papa, écuyer en chef au cadre noir de Saumur ? Exactement. J'ai bien renseigné. À force de les attendre ces jours, on a vraiment envie qu'ils arrivent là. On ne tient plus en place. Bah oui, tout à fait. Enfin, on s'y prépare et on est dans les temps, mais bien sûr, on est aussi un peu pressé qu'ils arrivent. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus, vous ? Rien du tout. Rien du tout. Alors, en tout cas, c'est le complet que vous allez suivre particulièrement ? Bah, c'est-à-dire que j'y travaille. Donc oui, c'est sûr que je vais être sur le site en permanence et je vais faire en sorte que ça se déroule le mieux possible. Avec une pensée pour les cavaliers français qui vont disputer ce concours complet. Bah, bien évidemment, on est tous derrière eux. Tous derrière eux. Merci Sophie Lemaire de nous avoir accueillis ici. Je vous laisse rentrer chez vous puisque vous habitez dans le château. Il faut quand même le préciser. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Restez avec nous dans un instant. Le documentaire de Corinne Bianrosa, carte portrait de cavaliers, trois hommes et une femme à la recherche de l'entente parfaite avec leur cheval. C'est juste après l'émission. Et puis, je vous donne rendez-vous du 23 août au 7 septembre pour les Jeux équestres mondiaux. On va sortir la grosse cavalerie pour vous faire vivre ces Jeux. Un grand merci à Isia et Lorelai pour ces démonstrations de post-hongroise. Passez un bel été et à très bientôt.